Bonjour les gens. Ah, sa roue, il commence fort, je crois qu'il va pas rester longtemps là. Ah, j'allais dire, il n'y a pas de musique ici, qu'est-ce que c'est triste. Qu'est-ce que vous racontez de beau? J'ai mis du spray de chez Action, le fameux spray que j'avais acheté. Il y en avait un bleu, un jaune et un rose. Et là, c'est le rose que j'ai mis. Comme ça annule un petit peu les reflets kaki. Ah oui, vous n'êtes pas encore au courant, vous. Eh ben, vous serez au courant dimanche. Non, si, vous êtes au courant, c'est la vidéo que j'ai publiée ce matin. Oui, j'ai fait du bleu pour enlever le roux. Et bon, bref, j'ai mis ce spray-là. Et oui, il paraît que ça fait bien. Parce qu'en tout cas, j'ai eu que des compliments sur TikTok. D'ailleurs, je viens de faire un TikTok. Je vais aller voir ce que ça donne. Ah, bah tu nous diras si t'aimes bien, hein, Sylvidre. Moi, je vais peut-être recommander parce qu'il y a du café en grains en promo. Il y a toujours un truc sur ce site. C'est une catastrophe. C'est pas avec ça qu'on va faire des économies, hein. Alors, TikTok. Il va falloir que je démarre le jeu aussi. Six commentaires. On va bannir quelqu'un. Allez hop. Est-ce que je vous ai déjà dit que moi je bannissais pas les gens? Moi, je les signale, hein. Voilà, un de moi. Alors, ça commence sur les chapeaux de roue. Ah, vous n'êtes pas prêts. On va démarrer le jeu parce qu'il va peut-être avoir de l'attente. Et s'il n'y a pas d'attente, eh bien tant mieux, on pourra jouer tout de suite. Sachant que là, je me suis fait un petit café. Café noir sans lait. Je me réhabitue à moins boire de lait. Ça promet. Ah ouais, il y a 300 personnes, hein, donc on a le temps de papoter, hein. Ah bah oui. Tu as vu qu'Aya Nakamura va faire des concerts dans Fortnite 6, du 6 au 9. Est-ce que tu comptes montrer ça en live? J'aurais pas les droits d'auteur déjà. Hein, vous avez du mal avec les droits d'auteur. Hein. Tous les lives, c'est pareil. La musique copyrightée, nous n'avons pas le droit de la diffuser. Hein, voilà. Par contre, est-ce que j'irai voir ses concerts? Peut-être. Mais du coup, ça sera pas en live. Ah, bah ouais. C'est surtout une démarche santé. Moi quand même, quand j'avais perdu beaucoup, bon là j'ai repris un petit peu, mais là en fait mon poids est stable et je recommence à perdre. C'est parce que je mangeais beaucoup moins d'ingrédients d'origine animale, hein. Les graisses animales, le lait, la viande, les œufs, et l'huile de palme, parce que ça contient des graisses saturées également, un peu comme la viande. Vous supprimez ça, vous maigrissez en mangeant une quantité plus que raisonnable. Donc ouais. Sans le son du jeu, oui. On voit les trolls, ils sont sortis. On les a reconnus. Allez, une brochette de trolls. 1, 2, 3, paf. Oh bon, ça doit être le numéro de la win. Le numéro 11. 89-3 sous le live. Est-ce que moi j'ai un 11-89-3? Ah, mais ça, c'est mon nombre de subs. J'ai 11 893 personnes qui me follow, pas des subs, des follow.
enfin des personnes qui me suivent. Il y a 11 000 personnes qui sont abonnées à ma chaîne, on pourrait dire, parce que si vous venez du monde de YouTube, vous n'allez pas comprendre. Il y a du monde ici, hein. Mais après, il y a beaucoup de bots, parce que, bon, sur Twitch, il y a des bots, et ils font pas en sorte de les arrêter. Bref. En tout cas, il y a 11 000 choses numériques ou humaines qui m'ont suivi. Voilà. Dommage, après, comme tu ne monétises pas, tu t'en fous des droits d'auteur. Non, Aya va te faire un procès, tu lui fais de la pub. Alors, il faut savoir que il y a des systèmes automatiques qui virent les chaînes, qui bannissent les chaînes, qui ont, eh bien, des... qui font des atteintes aux droits d'auteur. C'est-à-dire que c'est pas Twitch ni Aya Nakamura qui va porter plainte. C'est que c'est automatique. Hein. À quoi ça sert les bots à nous embêter? Parce qu'à un moment, on avait des notifications en boucle. Mais enfin, plein de streamers avaient le tour. Donc, bref. ...253 personnes en attente. Si vous voulez jouer avec moi, eh bien... vous pouvez démarrer la console ou l'ordinateur. Ça va le son? On m'a pas dit, tiens, la musique elle est trop forte, la musique elle est trop forte. Non, ça va, on m'a pas dit la musique elle est trop forte. On va démarrer le deuxième écran aussi parce que ça va pas être pratique sinon. Hein. Bon, un petit café, hein? Oui, bah quand je suis en live, quand même, on peut pas faire autrement, Géraldine. Sinon, j'arrête de travailler aussi. Hein? Là, d'ailleurs, je fais attention à l'électricité, puisque tant que j'en ai pas besoin, le deuxième écran est éteint. Et je l'allumerai qu'au moment où j'en aurai vraiment besoin. Et alors également, maintenant, je fais vraiment, je teste des nouveaux trucs. Je désactive vraiment les multiprises. C'est-à-dire que maintenant, j'éteins vraiment les multiprises. Toutes les multiprises. Parce qu'il paraît que, en tout cas, j'ai vu ça sur TikTok, même un grille-pain qui reste branché sans être utilisé, il consomme. Il paraît que. Ça me semble bizarre. Mais donc, dans le doute, je teste. Et je verrai bien sur Enedis si je consomme moins. Bah, si le vidre, pas tant que ça, hein. Malheureusement, pas tant que ça, hein. J'ai pas vu de grands changements au niveau de ma consommation. C'est pour ça que c'est assez compliqué, parce que je fais plein d'efforts et ça ne paie pas, comme on pourrait dire. Alors, d'ailleurs, il faut que je me connecte avec la bonne adresse. Quelle est-ce donc que cette adresse pour ce site de malheur? Je vais aller voir. Allez voir. Non, mais c'est mon adresse à moi. Hein. Ok, ça tout va bien. Ok, connexion, tac, tac, on va aller voir, hein, suivre mes mesures, tac, ça va vite aujourd'hui, site d'Enedis, ils ont dû faire des mises à jour. Non, ben non, hein. Lundi, j'ai encore dépensé 7 kW. Mercredi, 7 kW. Faudrait peut-être regarder en semaine, pour voir, peut-être que ça serait une moyenne sur la semaine, ça serait plus parlant. Oh, je sais pas, j'ai fait 41, 33, 33, 32, 30. Et là, la semaine n'est pas finie. Ouais, on est passé quand même de 41 à 32. Il y a presque 10 kWh en moins. Maintenant, ça veut rien dire parce que mon micro-ondes était en panne. Donc forcément, je cuisinais moins. Donc, on verra. Mais ça, franchement, non, c'est prise de tête. Hein. Moi, ce qui consomme le plus, je pense, c'est l'ordinateur. Four, j'utilise pas. J'ai mon micro-ondes, mais justement, c'est l'intérêt du micro-ondes, parce que sur TikTok, ils découvrent les micro-ondes qui font four et micro-ondes en même temps. C'est-à-dire que ça chauffe beaucoup plus vite les aliments. C'est bien déjà. Ouais, mais enfin bon, est-ce que ça va durer? Je vous dis, mon micro-ondes, il était en panne. Donc, peut-être ça va remonter. Hein. Sinon, que dire de plus? Les machines à laver le linge, ça consomme aussi beaucoup, mais j'ai toujours lavé, moi, à cycle court et à vraiment 30 degrés, donc bof.
Et la vaisselle maintenant, j'ai regardé le mode d'emploi, je mets le cycle de nettoyage qui est le plus rapide et qui consomme le moins d'énergie. C'est un truc qui nettoie en 30 minutes. Je vous raconte même pas comment je fais. Je mets en route le lave-vaisselle, je le laisse tourner et en fait, pendant qu'il lave, je l'ouvre et je regarde s'il n'y a pas des traces sur certains trucs. S'il y a des traces, je frotte avec une éponge, je le referme et il finit le lavage. Et en 30 minutes, c'est propre. En gros, c'est un lave-vaisselle semi-automatique. Il fait la moitié du travail et je fais l'autre moitié. Et en fait, eh ben, malgré ça baisse toujours pas la consommation. Faire ses lessives à la main, hein, on va y revenir, hein, à la lessive à la main, vu ce que ça consomme. Ah bah moi, ils sont pas si vieux que ça, mes appareils. Hein. Pas ouf les commentaires sur mon dernier TikTok, je m'en fous comme de l'an 40. Voire même l'an 40, j'en ai plus à foutre en ce moment, vu toute l'actualité en Europe, que de ce qu'il y a sous mon dernier TikTok. C'est des rageux, les gens. Les gens ont découvert les micro-ondes qui font four et micro-ondes en même temps. C'est dingue, hein. Non, parce que la question, là, on n'est même plus à la question de va-t-on avoir assez d'électricité cet hiver? En plus, je suppose que vous avez entendu que quelqu'un, on ne sait pas qui, mais quelqu'un, moi j'ai ma petite idée, mais je ne le dirai pas, mais quelqu'un a dynamité les gazoducs au nord de l'Europe. Et du coup, effectivement, là, c'est même plus... Est-ce qu'on va avoir assez d'énergie cet hiver? Mais ça va être, même si on a assez d'énergie, comment on va faire pour la payer? Il y a une femme sur TikTok, sa facture d'électricité est passée de 69 euros à... Enfin, sa mensualité est passée de 69 euros à 159 euros. Et elle est au tarif réglementé chez EDF, c'est juste que EDF ont dit, écoutez, on augmente les mensualités pour que vous commenciez à approvisionner votre compte pour cet hiver. C'est dingue. Non, je pense pas qu'il y aura 1500 euros d'amende si on consomme trop. Manon, il y a eu d'autres commentaires. Tu viens de me dire qu'il y avait d'autres commentaires. Il faudrait être pas ouf les commentaires sur ton dernier TikTok. Si c'est juste ce commentaire-là, il n'y a rien de pas ouf. Elle pose juste une question. Donc en fait, les commentaires sont ouf en plus. Eh bien, merci de me l'apprendre. Il est où TikTok? Est-ce que je pourrais vous partager ce TikTok? Le problème, c'est que j'aime tellement de TikTok que du coup, c'est pas évident de les retrouver, hein. Bon là j'ai vu qu'il y avait un chef d'entreprise. Alors pour les entreprises c'est horrible hein, les factures qu'ils ont en ce moment là. Il y a une boulangerie dans le nord de la France, pas très loin de chez moi en fait. C'est une boulangerie qu'il y avait dans ma ville, qui a déménagé dans une autre ville. Elle ferme un jour supplémentaire par semaine parce que sinon elle n'a pas les moyens de payer les factures de gaz et d'électricité. C'est pas cool hein. Bon, et dans le temps, ils prenaient les publicités et les journaux, hein. Qu'est-ce que vous me racontez, là, le PQ? C'est vraiment pas le truc le plus... C'est pas le truc le plus embêtant, le papier toilette. D'ailleurs, il y a des cultures qui n'utilisent pas de papier toilette. En fait, ils sont bien les commentaires en plus. Oh,
Puis alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des gens qui me défendent sur les réseaux. Enfin bref, tout va bien, je vois pas de quoi tu parles, Lobster Shrimp. En plus, les commentaires sont plutôt bien. Cette musique est quand même assez space, hein. D'ailleurs, la webcam est très bien réglée, cette webcam, comme d'habitude. Toutes les semaines, je suis obligé de la redresser. Voilà, là, hop, on va quand même pas, hop, on va faire ça bien, hop, non, toujours pas, hop. C'est moi qui dois être affalé dans le fauteuil plutôt, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah tant mieux, parce que la musique n'est pas très gaie. Voilà, je me redresse. Donc mieux vaut ne pas l'entendre. Il est très bon ce café d'ailleurs. C'est presque une musique d'Halloween, ça pourrait être une musique d'Halloween. Mais en tout cas, c'est une musique YouTube gratuite. Bref, on va éteindre Enedis. On a vu qu'on n'arrivait pas à faire baisser ses factures, donc on se déconnecte. Ça, c'est un gros problème. Bon, je sais pas si je vais faire des looks d'Halloween, hein, vous m'en demandez beaucoup. Par contre, Gaia Yaga et le Grand Data est en train de faire plein de looks d'Halloween. Très bien fait d'ailleurs. C'est plutôt logique, hein. Elle était prof d'art plastique, donc c'est plutôt bien à faire ce genre de choses. Bon. Bah écoutez. Cent trente-quatre personnes et puis on démarre le jeu, ça va vite, j'ai même pas fini mon café, oh. La prof qui a été virée, pas vraiment, la prof qui a décidé de ne pas se laisser faire et qui du coup a arrêté l'éducation nationale. Oui, ça c'est plus juste. Elle a jamais dit qu'elle était épuisée à la fin de semaine. Hein? Elle a été virée parce qu'on voulait l'obliger à faire une pédagogique dont elle ne voulait pas, et c'est une très bonne chose. Voilà. Bah par exemple, des fois, elle filmait ses cours, c'est de là qu'est venu en fait le gros problème. C'est qu'elle racontait qu'en fin de journée, quand elle était fatiguée et que les élèves étaient fatigués, ça lui arrivait de pré-filmer des cours, et plutôt que de faire un cours où tout le monde s'endort en fin de journée, elle diffusait une vidéo qu'elle avait filmée avant avec son cours à elle, hein, c'était elle qui se filmait en vidéo. Et elle diffusait des vidéos en fin de journée et elle disait c'est beaucoup plus dynamique. Quand on filme un cours, un jour où on est en repos, en même temps les jours de repos pour les profs, c'est des jours de préparation de cours et de correction d'examen, hein, mais bon. C'est beaucoup plus dynamique de filmer un cours un jour où on est en repos plutôt que de faire un cours en direct, sans caméra, sans vidéo, en fin de journée quand tout le monde est fatigué, où là en fait on n'est complètement pas productif. Et l'inspecteur a dit qu'elle se donnait en spectacle dans ses vidéos. Mais il faut savoir que vous allez au Japon, tous les élèves ont un iPad, quoi. Il faut vivre avec son temps. Une faute grave. Ah, moi je sais pas, moi à mon époque, il y avait des profs qui passaient des vidéos aussi. Et on leur a jamais dit. Ah bah dis donc, tu passes une vidéo. Moi j'avais même des profs d'anglais qui passaient des vidéos de cours d'anglais. Je veux dire, bah non, on n'est pas au Japon, mais c'est bien dommage. La France, elle est quand même un pays un petit peu coincé, hein, coincé du luc. Donc, oh, là, en école d'ingénieur, mais alors en amphi, mais c'était des diapos qui passaient, et puis franchement. Alors là, c'était pire que des vidéos, hein.
C'était le jour où il n'y avait pas de vidéoprojecteur, où il n'y avait pas de vidéo, que là, on se posait des questions. Tiens, un prof qui fait vraiment cours, dis donc. Donc, voilà. Art plastique en vidéo, c'est quand même compliqué. Et ben justement, c'est ça le truc, c'est que le cinéma, c'est de l'art. Est-ce que c'est de l'art plastique? Ah! Donc, bref. C'est un débat qu'on pourrait avoir, et c'est pas le sujet du jour. Mais c'était un cours d'art plastique en plus. C'était pas un cours de maths, hein. Donc voilà. Et puis en plus, c'est exactement après qu'on arrive à la fac, tout le monde fait ça, donc autant les habituer avant. Moi, j'étais à l'université, pas en école d'ingénieur, mais hasard quand même des choses, j'avais les mêmes profs à l'université et à l'école d'ingénieurs, et les profs nous diffusaient des diapositives avec le logo de l'école d'ingénieurs qui coûte très cher à Valenciennes, et ils prenaient même pas la peine de supprimer le logo. Et ils nous disaient clairement, oh bah de toute façon, faut pas croire, vous apprenez la même chose, hein. Et puis c'était les mêmes profs, parce que quand on est dans un domaine très spécifique, des profs experts dans ce domaine, il n'y en a pas des tonnes. Donc, bon, on avait les mêmes diapos et les mêmes profs que dans l'école d'ingénieur, mais on était à l'université, voilà. C'est... De toute façon, hein, je vois des messages qui passent, là, énormément de profs prennent les cours de d'autres profs, et les... J'ai un bac plus 5 en télécommunication et sécurité informatique. C'est un master IRCOMS, ingénierie des réseaux, communication mobile et sécurité. C'est-à-dire que je suis expert en réseau filaire, mais aussi en réseau mobile, c'est-à-dire eh bien tout ce qui est Wi-Fi, tout ce qui est téléphone portable, mais également eh bien satellite. Les gens oublient le satellite. Pourtant, il y en a qui ont internet via satellite. Bah, il y a Elon Musk qui est en train de mettre en place un truc comme ça. Et puis l'Europe voulait en mettre en place également un. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ça, je sais pas. Bah, en fait, Sylvidre, c'est... Moi, j'ai l'impression que c'est pas vraiment cette prof a été là des années et zéro soutien. C'est que ça a été une libération pour elle de quitter l'éducation nationale. Et je vous avais déjà parlé de ça. Mais si vous cherchez dans YouTube éducation nationale, vous avez des tonnes de vidéos de personnes qui expliquent pourquoi elles ont quitté l'éducation nationale. Je vais vous montrer ça, comme ça, ça va me permettre de charger le navigateur, puisque là, il reste 94 personnes, donc forcément, le jeu va démarrer dans pas longtemps, au moins l'écran, il sera déjà configuré. Hop, on va aller là, capture de fenêtre, tac, tac. Transition. Vous cherchez quitter éducation nationale, et vous avez, j'ai quitté l'éducation nationale, mais c'est pas des vidéos qui datent d'il y a 1000 ans. Là, ça date d'il y a 3 semaines. Là, ça date d'il y a 9 mois, donc moins d'un an. Là, c'est un an. J'ai quitté l'enseignement et je le regrette pas. Un an également. Il y a 7 jours, elle quitte l'éducation nationale. Bon, ça, c'est une réaction à cette vidéo-là. 3 mois après ma démission de l'éducation nationale. J'ai démissionné de l'éducation nationale. Ces 2 dernières années, il n'y a que ça. Hein. Comment quitter l'éducation nationale? De plus en plus de profs prêts à quitter l'éducation nationale, c'est une question de survie. Là, on a 5 mois, quitter l'éducation nationale. J'ai quitté l'éducation nationale. Donc, c'est pas un cas isolé, hein. Ne prenez pas ce cas pour un cas isolé, hein, messieurs, dames. Ah, d'ailleurs, il va falloir que je refasse une capture d'écran. On refait une transition. Et en plus, il doit y avoir parmi... toutes les personnes qui quittent l'éducation nationale, énormément de profs qui ne prennent pas la peine de filmer ça sur YouTube. Elle aurait pu rester si elle avait fait ce que l'inspecteur lui avait dit de faire. Et elle a refusé. Voilà.
Elle aurait pu essayer d'arranger les choses, mais elle a même pas essayé, parce que pour elle, c'était... Voilà. Je veux dire, l'éducation nationale, on se demande de nos jours si elle est là pour instruire ou pour autre chose. Ah, on peut jouer! Mais ça a bien été vite, dis donc! Ah non, c'est l'inspecteur qui s'est plaint du fait qu'elle fasse des cours en vidéo. Bon, de toute façon, on va jouer là. Alors, OBS, tac, il faut que capture de fenêtre, tac, Fortnite, tac, transition, tac, et on va jouer maintenant, hein. Donc, on va démarrer le deuxième écran. Vous voyez, je le démarque maintenant, hein. Si ça se trouve, il va pas redémarrer le bousin, là, parce qu'il est tout vieux, cet écran, hein. On va arrêter le mode studio et on va aller, eh bien, sur le jeu. Dis donc, il y a un stream qui est resté ouvert, là. Bon, heureusement, il était éteint, hein. Donc je vais vous mettre vous sur le deuxième écran pour avoir les commentaires. Settings update. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, maintenant il masque les mots grossiers, bah dis donc. Les profs n'ont pas le droit de faire ce qu'ils veulent, mais enfin, si vous saviez ce que ma grand-mère, qui était institutrice en maternelle, faisait avant par rapport à ce qu'on a le droit de faire maintenant, je trouve quand même qu'il faut pas pousser mes mères dans les orties. Bon, est-ce qu'il y a des gens qui veulent me rejoindre? Est-ce qu'on aurait par exemple, eh bien, Max de Rock qui serait là. Je sais qu'il y avait aussi Max. Bah oui, Max, OpenStar qui. Bah oui, mais il est pas connecté. J'ai dit qu'il fallait se connecter à l'avance parce que là, c'est long à démarrer en ce moment. Après, il faut pas oublier non plus qu'avant, pour être prof, il fallait le bac. Hein. Moi, enfin, en tout cas, institutrice. Ma grand-mère a été institutrice uniquement avec le bac. Et maintenant, c'est un bac plus 5. Donc, si on a exigé un bac plus 5. Bah faut payer en conséquence quoi. Depuis tout à l'heure tu me fais coucou mais j'ai pas vu. Excuse-moi OpenStar mais en même temps là je cherche Max de Rock. Parce qu'en plus samedi dernier j'ai pas su... Oui il faut que je vous parle de ça. Pourquoi j'ai pas pu jouer samedi dernier? Faites des hypothèses dans le chat parce que vous allez voir c'est un truc extraordinaire. Je n'ai pas pu jouer samedi dernier à Fortnite. Pourquoi? À vous de me trouver la raison et... Là, essayez de mettre des raisons farfelues. Ah bah justement, à l'université, il y a encore plus de vidéos et ils ont plus que base plus 5. Non, ah vous êtes loin, loin. Coupure d'électricité, non, non plus, non. Pas du tout, je suis parti en week-end. Non, je l'aurais su la veille quand même. Mon vernis n'était pas sec. Non, ça aurait pu, mais non. Une indigestion, non, non plus, non. Clavier, ma souris, parce qu'il y a eu un drame de coloration, pas qu'il. Tu es tombé dans les escaliers. Ah, vous êtes loin, vous n'avez pas trouvé. C'est pas moi le responsable, je vous donne un indice. D'ailleurs, ça va faire rire OpenStar parce qu'elle doit être dans le même cas que moi, de temps en temps. Portos, rien à voir, pas de indigestion non plus. Non, pas besoin de dormir. Non, moi si je dors pas, je dors pas. Hein. Rendez-vous au Comico non plus. Mise à jour Linux, pas du tout. Les mises à jour Linux, on n'est pas obligé de les faire. On les fait quand on veut. Monsieur Botaner voulait voir une série à la place. Non, pas du tout. Mais c'est... Il est dans l'histoire. Monsieur Botaner va craquer son pantalon au travail. Le samedi, il travaille pas et je devais jouer un samedi. Donc, non. Bon, je crois que je vais attendre que...
Max se connecte parce que je sais pas, je l'ai pas dans mes amis, c'est bizarre. Bah si, il est là. Bah alors? C'est parti. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut jouer avec nous? Bonjour Max. Bonjour. Salut. Bon, je vous... Attends, 2 secondes parce que là, il y a un truc sur le chat là, donc je vous lâche la réponse. Puis comme ça, on lance. Bah de toute façon. Salut! Donc en fait, Monsieur Beauté en Herbe avait des devoirs à faire. J'ai dû faire les devoirs avec Monsieur Beauté en Herbe. Samedi dernier. Il avait un dossier à rendre à faire sur traitement de texte. Alors déjà, bon, Monsieur Beauté en Herbe, il fait une formation pour devenir paysagiste, pas secrétaire. Et bref, il devait rendre un dossier et ben on a essayé de faire le dossier à deux, mais moi je suis pas expert en traitement de texte non plus. Hein. T'ajoutes une photo, le texte il se supprime, tu remets le texte, il n'y a plus la photo, tu veux mettre la photo au milieu, la photo elle sort du cadre, t'imprimes le dossier, il manque les photos. Oh, on a galéré toute l'après-midi à faire des devoirs, un dossier. Voilà. Donc, magnifique. Faut mettre prêt, Max. Ah, t'as mis prêt, j'ai pas vu. Ah si, moi je démarre, je suis chaud là. On va essayer de faire des trucs. Parce que j'ai pas joué de la semaine encore. Voilà, c'est ça l'histoire. Passe de combat, il va pas se faire tout seul. Bon, il est moche le passe de combat, pour ceux qui n'ont pas vu. Hein. Mais bon. Le seul truc potable, c'est à l'avant-dernière page. Ah bah, ça a coupé. Ah, mais comme j'ai dit à Monsieur Beauté en Herbe, quand on s'y connaît en informatique, on n'est pas secrétaire. Sinon, voilà, si, ça s'appelle pas BEP secrétariat, ce que j'ai fait, ça s'appelle Master Ingénierie des réseaux, communication mobile et sécurité. D'ailleurs, les ingénieurs, avant, et il y en a encore pour qui c'est le cas, ils ont des secrétaires pour rédiger les courriers. Ça sous-entend qu'ils sont pas capables de rédiger leurs courriers. Pourquoi je ramasse des armes? Oh, fusil à pompe à levier, c'est nouveau ça, il va bien. On remercie le chauffeur du bus, on regarde où est-ce qu'on peut atterrir, et nous allons donc atterrir ici, parce que ça fait longtemps que j'y suis pas allé. Un pass de combat, c'est des récompenses que tu obtiens au fur et à mesure des niveaux que tu passes. Et donc ça te permet d'avoir des récompenses comme des musiques supplémentaires, des skins, des habillages pour personnages, etc., etc. Il y en a un qui a fait la même formation que moi, il a fini chef de crèche. Alors bon, à l'université, on t'apprend pas un métier, hein, on t'apprend à réfléchir et à trouver des solutions. Ne croyez pas qu'on vous apprend à réciter par cœur des leçons à l'université. On vous apprend à être débrouillard et à créer des entreprises et à trouver des solutions par vous-même. Oula, ça lag! Ah, ils ont toujours pas réparé le jeu en fait. Comment? Ils ont toujours pas réparé le jeu, moi j'ai encore des lags. Non. Moi j'en ai pas. T'en as pas? Bah moi j'en ai un. J'ai rechangé mon câble réseau, j'ai remis un câble réseau neuf. Parce que les câbles réseau, j'ai l'impression que ça s'use. Ça paraît improbable, mais... Il y a du monde. Moi, je sais pas, je trouve pas de bleu. Je n'ai pas de bouclier. S'il n'y a rien à cet endroit-là, je vais être déçu.
Moi, je suis déçu. Bon, il faudra faire attention à la zone. Hein. Oh oui. Enfin. Impeccable. Bon, on va en zone. Parce que là, elle est loin en fait. Y a pas un bateau ici? Si, y a un bateau, moi je prends le bateau. Hein. Il y a une potion qui était coincée dans les textures. Bon. Alors, par où on doit aller? La carte. Donc tout droit, ok, c'est bon. Oups, je lis le chat et je conduis mal ce bateau, dis donc. Coupure de courant dans les Yvelines. Bon, on va où après? On va tout droit et on continue à pied, je pense. Hein. Oh là là là. Catastrophe. Et d'ailleurs, on va peut-être éteindre la musique. Hein. Moi, j'ai encore la musique en fond, là. Bon, elle est tellement basse que ça changera pas grand-chose pour vous. Mais... Je suis tout de chrome vêtu. J'allais dire de gold. C'est même pas de l'or, c'est du chrome. Oh, on avance vite avec ça. Hein. Non, mais c'est trop bien, le chrome. Faut que je danse. Ah mais je suis plus chromé. Bon, on va avancer au milieu de la zone parce que la zone suivante, elle va encore être à l'autre bout, je pense, quand ça commence comme ça. Je dois marquer des armes. Bon bah déjà ça va aller vite. Hop, voilà. Bon je sais pas, j'ai des armes qui ont l'air pas mal. Il y a celle-là qu'il faut que je change, mais j'ai pas encore trouvé de. Marquer des armes. Ah c'est une quête. It's a quête. Ouais c'est une quête. J'ai pas regardé encore les quêtes moi que je dois faire. Moi je vais là parce que j'aime bien. Ça marche pas aussi. Il y a un loup. Au loup y es-tu? Pas juste. Je vais dire la quête. Oh, il y a un loup là. Ouais, mais je le prends moi le loup. Oh. Ah, moi j'aime bien les loups. Bon, il y a plus de coffre ici. Avant, il y avait plein de coffres et tout. T'inquiète, j'en ai jamais des coffres. Marquer, accusitation. Ah, c'est un sniper qu'il faut marquer, mais oui, c'est rare, c'est quoi que ce coffre? Y'a rien dedans?
Ouais, t'as des coffres, mais t'as un peu mis les coffres. Hein. Ah non, mais là, il est pourri, de chez pourri, le coffre. Maintenant, les animaux, tu peux les promener. Ah, oh, un baril. Il y a quelqu'un qui arrive. Oh. Ouais. On bon bah il est mort hein. Oh j'ai tué un adversaire en étant chromé, c'était une quête. Eh faut l'embarquer le baril là. Hop, il y a des petites potions. Si t'as de la place, il y a des petites potions là. Oh, encore une voiture. Bah ça doit être son ami, son coéquipier. Il est où? Ah, j'ai pas rechargé. Ah bah c'est long à recharger comme arme, dis donc. Bah ouais, mais j'ai même pas le temps d'arriver, qu'ils sont déjà tous morts avec toi. Ouais. Bah ouais, comme d'hab. Non, j'ai tiré quand même. Je les ai touchés un petit peu. La zone, par contre, comme prévu, à l'autre bout de la carte. En plus, toi, t'as pas d'animaux pour aller plus vite. Oh, là, je le sens le top 1 un peu. Tu sens le top 1? Moi, je sais pas, parce qu'on n'est pas en zone, là. Oh, il y a un sanglier, là, je vais le prendre, toi, viens là. Non! Et voilà. Bah après, il y a des voitures, sinon, là, il y a une station essence. Il y a plein de voitures. Ah, ouais. Ah, ben, il y en avait une, là, mais bon. Serait-ce une AR? Une AR bleue? Non. J'ai trouvé une arme de fou. Faudrait de la viande. Mon loup y a faim. Oh, coucou. J'arrive, parce que là, c'est un peu séparé. Oh, mais il y a du monde ici, dis donc. Pour information, ils sont là, hein, dans le buisson, là. Et du monde, je te l'ai dit. Et il y en a encore derrière nous. Hein. Ouais, mais moi j'ai une AR bleue. Et l'AR bleue, franchement, ça fait l'affaire. L'AR bleue, ah, moi aussi, j'en ai une. Rendu bleu, toi, t'es pas au top. Hein. Ah ouais. Bon, moi je dis faut qu'on contourne par là parce qu'ils doivent être en hauteur ceux-là. Ils doivent nous attendre. Bon, et eh ben moi je vais dire au revoir à mon loup. Ici, vu, vu. Je tire dans les choux. Par contre, on n'est pas en zone là. Moi, je vais en zone d'abord. Hein. Ouais. On va tirer dessus les gens. Qui s'entretuent, c'est une chose. Non, la zone est pourrie en plus. Oh là là. Ah, je suis en zone. Mais la zone, elle est pourrie. Bon, bah va falloir. Je te l'ai dit qu'ils étaient en haut.
J'arrive. Ouais, mais je suis là, derrière toi, mais... Ok, vu. Ah. Ils sont à deux sur moi. Sur le toit de la maison. Je me cache. Pas non, il saute. Oh non. Si pas, je suis au rez-de-chaussée. Non, hein. C'est ouais, bien. C'est... En même temps, il a sauté sur le toit en même temps que moi. Oh, c'est long à ranimer quand on est tout seul. Ouais. Alors. Non, t'inquiète, j'ai un kit. Garde ta médibrume. Tu vas plus rien avoir après. Voilà. Bon bah du coup le kit... J'ai même un sniper que je vais prendre pour avoir un profil. Ouais, ils ont des belles armes. C'est quoi que cette arme là? Fusil à rafale et vos chromes. Ah. Original. Bon. Bah écoute, tant pis pour le stuff. Je t'avais dit qu'on courrait après la zone. Non mais c'est une blague cette zone en vrai. La la la. Ah. Dites-moi que ça me télétransporte à un endroit cool. Une balle. Pas du tout. Mais elle est où en vrai cette zone là? Si, ça m'a rapproché de la zone de toilette je pense, mais waouh. Ah puis j'ai plus beaucoup de vie. On veut vraiment plus de vie là. Moi ça craint. Si t'arrives à aller en zone, il y a moyen, j'ai un baril. Non, c'est bon, la zone est juste devant moi. Par contre, baril tout de suite, quoi. Bouge pas, j'ai un baril. Je bouge pas, j'ai un baril. Ah ouais, mais attends, du coup. Du coup, toi, t'étais à fond au niveau du bleu. C'était juste la zone qui t'a... Moi, une balle, je suis mort. Mais non, t'es pas mort puisque t'as plein de bleu. Faut juste surveiller la zone. Je vais te trouver du soin, t'inquiète. Occupe-toi des ennemis, je m'occupe du soin. Mais je fais plein de défis, c'est trop bien. Attends, ce qu'il y a Ça a bien été loot ici. Hein. Ah bah t'as trouvé du soin toi. Un coffre là-haut. C'est bon, j'ai une mini-brume. Where are you? Viens. Là t'es qu'à moitié. Attends, j'ai de la médibrume avant de te battre là. Soigne-toi. Ah bah ton... Merci. Il bouge. On va vider une médibrume pour récupérer 3 points de vie. Bon, ils sont où? Ah d'accord, on est plus que 5. Ils sont plus que 3. Ah non, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Oh, mais j'ai oublié, on pouvait pas rentrer. Ah. T'inquiète. Respire, ça va le faire. Ah mon dieu. Un au sol. Une tête. Deux au sol. Bon, il y en a plus qu'un. Allez, c'est parti pour le top 1 dès la première partie. Bah oui, il y en a plus qu'un. Et ramasse la couronne, hein, tu l'as mérité. Hein. Ouais, prends, ramasse la couronne, moi je l'ai déjà. Ah, on va avoir des couronnes en plus, c'est merveilleux. Où es-tu? Ouais, d'être caché quelque part. Oui, bah c'est bon, on peut y aller. Tu veux un coup de médibrume avant? On va pas faire le con quand même.
J'en ai déjà un de toute façon. Ah bah moi je me mets un coup de méni-brume, on sait jamais. Par contre moi le bleu il est pas à fond, mais c'est pas grave. On a réussi. Bon, tu vas escalader toi. On a réussi à gratter deux couronnes. Non, je regarde s'ils sont pas dans les buissons. Ah, je croyais que ils tiraient dessus. Non, bah non. Par contre, on va en zone directe, hein. Hop, hop, hop. Faut faire gaffe à la zone dans ces situations-là. Je suis sûr qu'il doit avoir trop peur. Bah, c'est sûr. Mais soit il meurt de zone et on fait top 1, soit il sort et on tue. Bon, dans tous les cas, ça a pas l'air ouais, d'être... Je sors de sa cachette. Il doit être là-dedans, hein. Par là-bas, il doit être derrière une... Mais non, il est là-dedans. Tu l'as vu? C'est quoi ce truc qui brille là devant nous? C'est au-dessus, regarde, il y a un truc en fait et ça va te donner du staff légendaire et tout. Ah bon? Ouais, faut attendre qu'il descende. Ah oui, non, oui, d'accord, oui, mais ça on peut le... Voilà. Où es-tu? Oh bah il y a une grosse popo. Attends, c'est encore marqué. Fais gaffe qu'on se prenne pas une tête quand même, hein. J'ai peur. Ouais, faut pas rester fixe, faut bouger. Ah, il est là-bas. Vu. J'en mets aucune balle moi. Ah, j'ai mis une balle. Ah bah voilà. Petit top 1 des familles couronnées. Y'a plus personne dans le chat. Par contre, j'ai pas changé de catégorie, moi. Je vais me faire disputer sur Twitch, hein. On va aller sur Fortnite, quand même. Attendez, là. À peine on démarre, on fait top 1. Ça va trop vite. En plus, on a des couronnes. Dès la première partie, ouais. Allez, hop, je suis dans Fortnite. C'est bon, on peut relancer. On va relancer tout de suite, parce que moi, avec GeForce Now, là, y'a du monde, hein. Et ça a l'air de pas trop ramer. J'ai changé mon câble réseau, c'est pour ça que j'arrive mieux. 10 étoiles de combat. Combien? Et Nesliar, tu veux pas venir jouer? C'était ton copain qui voulait venir jouer, mais il peut venir aussi, on peut lancer à 3. Hein. Bon, par contre, j'ai des bugs d'affichage là, moi ça me... Non, mais il y a un truc qui est en train de marceler à tu. Flo, si c'est pas très intéressant, reste pas ici. Je sais pas, on va voir un truc sur Netflix. Ils en ont besoin. Il paraît que c'est en train de crouler la boîte ah, là. Quitter le groupe. Bon, du coup, ça va marcher. Ah bon, t'es retourné au salon? Ouais. Bah, je vais retourner au salon. De toute façon, là, on allait être déconnecté alors. Ah oui, bah je comprends, j'ai vu ça. Il y a plein de streamers qui achètent des packs. Pack FIFA. Ouais, ça coûte cher aussi, ça. Oh, j'ai eu un parapluie chromé, il est beau. Bon, prêt. Zéro construction du haut. Là, faut refaire top 1, là. Ah, oh, on va être contre des forts en plus à cette partie-là. Parce que forcément, on a fait top 1, on a piqué des couronnes. Ils vont nous mettre contre les plus forts du jeu. Je vais monter un peu ton son d'ailleurs, toi. Ouais, ça devrait être mieux. C'est le week-end! Moi il me reste. Moi je dis enfant, mais un jour d'école, hein. J'étais même pas là pour le reste. Le... Oula, il va pas à l'école. Moi j'ai mes factures à faire cette nuit et après je suis en week-end. Facture plus déclaration URSSAF, ça va être la fête cette nuit.
track bleu, si t'allumes ta télé et que l'émission ne te plaît pas, tu dis pas « Oh là là, l'émission qui est en train d'être diffusée, elle ne me plaît pas, oh là là !» Bah non, tu regardes pas, tu changes de chaîne. Bah là, c'est pareil, en plus des lives sur YouTube, il y en a plein. Hein. Des lives sur YouTube, sur Twitch. Lapsus. Des lives sur Twitch, il y en a plein, donc... Va voir une autre chaîne. C'est pas l'obligation. Mais j'ai l'impression qu'il y en a qui s'obligent à regarder mes lives pour essayer d'extraire des propos sortis de leur contexte pour essayer de me faire passer pour ce que je ne suis pas. Donc c'est une torture de s'obliger à regarder un truc juste pour après essayer de gratter des phrases sorties de leur contexte. J'avoue que ça doit pas être cool, mais personne ne vous oblige à faire ça. Bon, top 1 là. On atterrit où pour faire top 1? Dans le froid pour essayer. On va là-bas. Allez, on verra bien. Je vais aller voir les quêtes quand même. Si ça se trouve, il y a des quêtes dans ce coin là. Ouais, je crois qu'il y a une quête pour récupérer des PV, la moralité. Pour récupérer de la vie. Moi j'ai un ordinateur à aller visiter, forcément c'est pas dans le bon coin. Bon, hop, hop. C'est incroyable comment un câble réseau ça peut changer quand même la qualité de jeu, parce que là franchement je vise vachement mieux juste à cause d'un câble réseau quoi. Oh l'arbre il a perdu toutes ses feuilles, bah c'est l'automne c'est normal. T'es où? J'ai plein de bleu. En même temps, ici, il y a du bleu parce que... Forcément. Il y a même les champignons qui donnent du bleu. Bah oui, j'ai des splashs. Ah oui. Ah, il m'a baissé la qualité réseau, comme par hasard. Karma, karma. On a déjà 15. Il y a déjà quelqu'un qui est mort. Ça va vite. Après que... Oh, ça va, hein. C'est habituel. Il y a du monde là dans la maison là. Ouais. Il y en a l'air beaucoup là-bas. On a tout le temps de toute façon dans la maison, cette maison. Forcément, j'ai plus de balles. Bon. Ah. Il est où? Il est là, toi. Heureux. Où est-il? Il est mort? Oh là, il y a du monde là. Est-ce que ça tire de loin? J'en sais rien du tout. Ouais, il marche pas très bien ce fusil. Hein. Faut peut-être le faire évoluer, mais... C'est un peu un fusil compliqué. Hein. Ah mais moi j'ai plus de balles, j'ai plus rien. Là. Forcément que ça va pas là. Mort. J'ai fait un de ces atterrissages. Voilà, c'est moi. Bon, je prends... ma potion, parce que là je crois qu'il va falloir jouer tactique étant donné qu'on est dans une partie difficile parce qu'on a des couronnes. Du coup, c'est pas le même que la partie d'avant.
Alors oui, j'ai une air. De niveau 100 cette saison là. En plus, ça est hyper cool le pass de combat. Oh, moi j'aime pas le pass de combat. Il faudrait des balles de pistolet. Prends-moi, prends deux. Je sais pas, c'est le truc alors qu'on a même pas le même temps encore. J'ai cru voir quelqu'un là-bas. Mais est-ce que c'est moi qui l'a berlu? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un effectivement dans le coin? Je sais pas, il y a pas de porte à cette baraque? Non, il y a personne dedans. Ah, il y a quelqu'un sur un niveau. Voilà, j'avais raison, il est parti réanimer. Bon bah t'as mis deux têtes toi. Allez, hop, hop. Une fois, j'ai réanimé quelqu'un sur le toit, comme ça. Et il y a quelqu'un qui tournait autour du camion, il me trouvait pas. Il entendait juste le camion réanimer quelqu'un, mais il me voyait pas quand j'étais au-dessus. Non, mais c'est une colère plus, hein. Et moi, je reste, hein. On m'a fait des... Et sinon, on surveille la zone quand même un petit peu. Oh là là. Ah ouais. On devient trop bon à ce jeu. Ouais, on est presque au milieu de la zone en plus. Bon, bah on va essayer de trouver des trucs. Il y a des petits... Viens ici, il y a du slurp. Du bleu là. Puis il y a des balles. On va prendre des barils de bleu ensemble. Je sais. Bah t'es presque à fond toi avec ton bleu. Ouais, si j'avais des papillons, je croyais que c'était personne, j'ai trop peur. Je n'entendais pas les voir. C'est ça pour un défi. Il y a des trucs là, ça a l'air pas mal ça, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une clé. À quoi elle sert les clés? Les clés, elles servent à ouvrir des coffres forts. Ah, maintenant il faut des clés pour les coffres forts. Ouais. Eh ben. Non, mais c'est un politique à voir moi. Oh oh. Il y a des graines. C'est pas marrant, il y a personne. En plus après ils vont nous mettre une tête et puis ça va être fin du jeu quand on les voit pas arriver. Un harpon. Escalader si haut pour avoir un harpon. C'est quoi le chalet qui est en face là? Hein? Ce chalet là. Oh, il est depuis le chapitre 1 alors que les maps c'est pas censé être les mêmes alors Non mais le chalet, je crois que c'est bien d'être dans le chalet quand la zone elle est comme ça parce que t'as un balcon devant et on voit toute la vallée en fait. Le chapitre 2 il est encore dans le chapitre 3 et dans le chapitre 1 il était encore ici. Ok, ouais. Ah, c'est pas ce chalet-là que je pensais. Mais n'empêche, il y a un étage, ça peut être sympa.
Qu'est-ce qu'il y a comme grosse potion ici? Ça viendrait animer. Ouais, j'ai stressé, je me disais c'est quelqu'un qui a réanimé ou j'ai rêvé. Ça a réanimé où? Ça c'est une autre question. Avant on avait les bus de réa sur la carte, mais maintenant. D'accord. Vous pouvez mettre les persos de Fortnite au régime s'il vous plaît. J'ai perdu mon AR moi en plus. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce qu'il a fait monsieur? Toi t'as foutu le feu, non mais sérieusement. Non mais dis pas ça a touché là. Ah, c'est ça. Ça a touché la maison hein. Rends-moi mon air. Oh un chalumeau, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas fait top 1 au chalumeau dis donc. Tu veux un sniper? Non ça va, j'aime pas trop les snipers. Sniper bleu. Ok, on est 26. Oh non, il est pas. Ah si. Il est là-haut, là-bas. La montagne. J'essaie de la voir. Mago, hein. On va essayer de faire évoluer son évochrome. D'accord, en fait, c'est juste... C'est juste un requin que t'essayes d'avoir là. Eh hey, mais par contre je crois que ça marche pour faire évoluer les fusils évochrome. Ah oui on peut faire améliorer. Ouais mais alors qu'est-ce que c'est long à faire évoluer les évochrome? Oh mon dieu. Des armes nulles, à part ça. Alors, tout ça pour un sniper jaune? Ouais, tout ça pour ça. Et par contre, c'est quoi ça? Bah, un évochrome. En même temps, l'évochrome, on peut le faire évoluer, mais je vais déjà avoir le niveau violet sans en avoir fait évoluer, hein, donc tout va bien. Bon, ils sont en ville. Ah, d'accord, bon, bah, on va en zone. On va sur la petite île du milieu pour commencer. Ils ont mis un manoir, t'as vu, sur l'île du milieu. Ouais. Oh il m'a expulsé avec sa grenade. Attends, j'essayais de te faire avancer. Non mais c'est bon, hein. Ça fonctionne, ça va. C'est juste que je regarde ça parce qu'il prévoit peut-être des trucs pour Halloween avec ce... Ah bah. J'ai ramassé un truc, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Oula, il y a une porte qui vient de s'ouvrir. Bon, c'est toi qui viens de l'ouvrir, non? C'est quoi ce tableau là en bas? Tableau du phare. Il y a un barbecue. Comme d'hab. Bon, ils sont encore en ville en train de se battre. Hein. J'aurais dû garder le sniper. Parce que là, la zone, elle commence à être très petite, là. Et franchement, je sais pas comment ça va évoluer, mais faudrait peut-être qu'on aille en face, en fait. Parce que là, on est en plein milieu de l'eau. Et si ça avance pas du bon côté, ben... Je pense qu'il faut... aller dans la grotte. Non, mais je pense qu'il faut aller là-bas, non? Ouais. Je sais pas. Ils sont... Ah ouais, ça tire des...
Est, sud. Ah, oh, il y a une balle qui a failli me toucher. Il y a quelqu'un qui nous, qui essaye de nous snipe. Non, parce que maintenant, là, les balles de il y a quelqu'un là. Ça... Il y a quelqu'un là. Ils sont là. Ah, oui. Vu. Et il y a quelqu'un d'autre là-bas aussi. Hein. Ça perd de partout là. Un au moins. Par contre, pourquoi on se prend encore des balles là? C'est pas lui qui nous tirait dessus? Ok, vu. Il y en a un derrière la maison. Il vient de partir. Par contre, je me suis pris une tête. Fais gaffe. Oh mon dieu! Il y en a un dans l'eau là. Il y a un sniper dans un coin. Bah il m'a eu. Je sais pas où il est le sniper. Il y a quelqu'un là-bas. Là. Je suis sûr que c'est lui qui m'a eu. Ah, top 5. Ah, c'est bien quand même parce que là il y avait du monde. Hein. Bon, on lance tout de suite. Hein. Ouais, top 5 c'est bien, ouais. On peut pas faire top 1 à chaque partie, ça serait pas amusant si on faisait que des top 1. C'est lui le sniper, je l'avais vu mais trop tard. Ah, il vise pas bien en plus. De combat, si. Hein? T'as le pass de combat, toi, non? Bah oui, je l'ai repris. Il est gratuit une fois que t'as payé le premier. Moi, je le prends à chaque fois, même si c'est pas très beau. Bon, bah. Il y a quand même un skin qui me plaît, moi. L'avant-dernière page. Ouais, je sais même plus si c'est dans la page. C'est un skin, il ressemble à Angel dans Buffy contre les vampires. Faut-il encore connaître? C'est une vieille série. Maintenant, on peut dire que c'est une vieille série. Ah. Je me doute que c'est lui. Ouhah. Oh, bah dis donc. Je vais saboter le bus et comme ça on part pas. Y'a plus de bus. C'est quoi ce semblant de vaisseau là? C'est dommage. Bah si, il y en a peut-être dans... Il y a des vaisseaux comme ça sur la carte? Hein? De quoi? Je sais pas, moi j'ai un gros... Il y a un gros vaisseau jaune là, qui a l'air pas mal. Hein. On atterrirait. Ah oui, c'est le truc pour pas que le chrome ça touche les villes. Oui. Ils ont dirait un truc de la saison Marvel, c'est des trucs de. J'aurais dû atterrir tout de suite, mais c'est pas grave. Je sais pas, moi je voulais aller là. Je sais pas pourquoi, je le sens. Quand je redémarre, Jenny et Po, on t'ajoute. Si ça met pas 3 heures à redémarrer par contre. Qu'est-ce que c'est que cette belle chose? Vu.
Ah là 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 là. Je mets trop de temps pour viser moi. Il s'est même pas encore rendu compte que je lui tirais dessus. Ah, une tête. Bon, un en moins. Je suis pas plus fier. Ok, vu. Nous, on va avoir vu ce qu'on a. Bon. 68. 86 têtes. Mort. Encore un niveau 2. Ah bah les niveaux, ça va vite. Hein. Mon dieu. Mais en début de saison, c'est bien d'avoir de monter de niveau. Je suis déjà niveau 53. Oh. Imagine. Ouais, mais toi tu joues tout le temps, toi. Tu fais pas tes devoirs et tu joues, ouais. C'est ça? Il dit ouais. Ouais. Il dit ouais. Ouais. Il dit ouais en plus. Oh, ah j'ai. Ouais. J'ai des grenades. C'est quoi ce pompe à amorce? Faut que je trouve quelqu'un, j'ai un pompe à amorce à tester. Oula! Ouais. Je l'avais vu celui-là. Bon, le pompe à amorce, je crois que j'aurais dû le troquer contre quelque chose d'autre. Contre de la noix de coco, parce que la noix de coco, c'est bon. Oh, il y a quelqu'un, il l'a eu. Je crois que je prends de la vie, moi. J'ai oublié que j'avais des potions. Tiens, si tu veux. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi si je veux? Ah, il y a des potions, ouais. C'est des petites. Enfin, c'est mieux que rien, non? D'accord, il n'y en avait qu'une. Si on peut se mettre à l'endroit, hein, j'ai eu un placement dans le jeu préféré. Quelle arnaque! J'ai mal aux yeux ici par contre. Dépenser des milliards de dollars pour avoir des emplacements de jeu préférés qui marchent même pas! Ouais, bon, ça c'est habituel que ça marche pas le jeu. Hein. C'est bien qu'ils ont mis ça au début, je me disais, ouais, une nouveauté, ouais! Ah enfin on va savoir quand on est au milieu de la zone. Il y a quelqu'un qui m'a tiré dessus monsieur ici. Il veut pas ping. Oh. C'est quoi ça? Waouh, c'est puissant. Je suis en chrome maintenant. Ça se transforme en chrome alors ça. Donc c'est gratos. Ouais. Et si on retourne dessus alors qu'on est en chrome, on est réexpulsé, ok. Bon, il y a quand même une personne qui ose me donner des. Ah bah j'ai. Ça pour toi. T'es déjà parti toi. Je sais pas, je suis en chrome, je teste des trucs. C'est pas souvent qu'on est en chrome. Bon, les armes ils veulent pas se chromer par contre. J'arrive. Oh, c'est mieux d'être en forme humaine quand même. Fusil d'assaut. Des balles parce qu'on va encore être en manque de balles. Bon, voilà, il y a un pompe. J'aime pas les pompes comme ça. Moi, moi je veux une AR, j'en ai pas. Mais j'ai de la distance à prendre avec eux. Oh, une AR. Oh, on va faire top 1.
vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, n'est-ce pas? D'ailleurs, ce qui est dommage, c'est que les lances-ci, ils ont été retirés de la saison. Oh ouais, les lances-ci, bah, ça sert à rien, ça. Oui, je ferais que... Bon. C'est quand même surprenant que... Je vais perdre la distance, alors c'est pour ça que... Avec du chrome, alors c'est pour ça que je... Il me reste 4 minutes. Bon, bah je crois que tu vas faire top 1 tout seul. J'avais pas vu ça. Bah si. De toute façon, il n'y a personne encore. C'est quoi que c'est parti où il n'y a personne? C'est triste. Marc, si ça se trouve, on va même pas finir les 4 minutes. On va se prendre une tête parce que souvent... Quand on s'approche de ça, ça fait un truc bizarre. Quand tu t'approches de la racine, là, c'est bizarre un peu. Oh bah, il va bien y avoir. Bizarre. Ça va bien nous donner un truc, ces arbres-là. Qu'est-ce que ça fait? Ah ouais. Lieu notable découvert. Paradoxe possible. Il y a du rouge, du jaune, du violet, t'as tout de couvert, moi. On peut pas le casser, ça? Bah non, c'est un lieu notable. Ça se passe même pas en plus. Non. Échappe pour escalader. Ah bon? Espace, oui, espace pour escalader, mais j'ai pas envie d'escalader ça, moi. What? Y'a de le... Y'a de le... invisible. Y'a de le, là? Je la vois, non, non, je la vois pas. Il est invisible. C'est le Harry Potter. Il y a personne dans la ville là. Il y a des gens là. Il y a personne, c'est moi qui lance des grenades pour les faire venir. Tellement on s'ennuie. Ah. Non, c'est moi. Ouais, mais il y a quelqu'un ou il y a personne? Non, non, il y a personne, il y a personne. Oh, c'est nul. C'est nul. Oh, un coffre. Toujours ça de ramasser. J'ai pas regardé non plus pour le chat la vidéo, mais c'est, je sais pas, j'ai vu le titre, j'ai vu la capture d'écran et j'ai dit non. C'était pas le bon moment pour sortir ce genre de vidéo en tout cas. Même si c'est vrai, c'est pas le bon moment. Bon. Oh bah il y a un coffre, une clé. Oh, c'est ça les fameux coffres? Ouais, c'est ça les coffres. Voilà. Bah, j'ai pas de clé, j'avais une clé à la partie d'avant, mais j'ai pas de clé. Là, il en faut deux en plus, c'est encore pire. Bah, forcément, on est à deux. Peut-être ça veut dire qu'il y a des clés pas trop loin. Hein. Ouais, il y en a partout. De toute façon, il y en a partout. Alors. Bon, je compte sur toi pour faire top 1 parce que moi je vais être déconnecté là, comme un sauvage, dans 20 secondes.
Bref, je vais jeter tous mes trucs, si tu veux des trucs. Et moi je te dis à tout de suite, je redémarre. Déconnexion. Bon, bah voilà. Ça fait trop longtemps qu'on joue, ça veut dire ça. Non, j'ai pas activé l'aide à la visualisation avec les bruitages parce que j'ai peur que ça me perturbe. 383, on va pouvoir faire une pause. On va pouvoir faire une pause papotage pendant que je démarre. Bon, qu'est-ce que vous racontez de beau? Ça parle de YouTube. Moi j'ai la peau qui brille, il va falloir que je mette de la poudre, je brille. Chapeau grasse. Bonsoir des Perroro. Bon, sinon il y a Janet Epo qui veut nous rejoindre, qui a déjà envoyé 100 messages et qui s'est jamais fait bannir. Il faut que je re-télécharge le jeu. Pour me faire penser à ajouter Janet Epo. Salut Julie! T'arrives quand c'est la pause? Il y a trop de monde qui joue au jeu, donc on attend. Comment ça va, Julie? J'ai pensé à toi parce que je t'ai vu dans mes mails. J'ai vu une notification de Julie qui disait qu'elle était en stream. Quand je cherchais un mail à propos de Twitch. Et je me suis dit, c'est vrai qu'il faudrait que je passe la voir pour lui donner mon prime. Parce que j'ai des primes et je les donne pas. C'est grave. Et peut-être même je peux le donner maintenant, tiens. Si ça se trouve. Mais ça c'est pareil, hein. C'est dommage qu'on puisse pas... On peut pas t'envoyer un prime si on va pas sur ta chaîne. Ah si, on peut ouvrir peut-être ça, non? Ah non, c'est parce que je suis en mode modérateur, là. Je n'arrive pas à aller sur la chaîne de Julie en cliquant sur son pseudo. Je peux la bannir par exemple, par contre, Julie. Ah si, il faut cliquer là. Ah bah dis donc, c'est pas très clair. Hein. Alors, il faut faire ça. Utiliser l'abonnement Prime. S'abonner avec Prime. Un mois gratuit. Tac! Ah, ça serait bête. Hein. C'est moi, ça me coûte pas plus cher. Hein. Voilà! Je fête mes 4 mois d'abonnement chez Julie. Oh, merveilleux! Magnifique! Alors, quand vous avez Amazon Prime, vous pouvez lier votre compte Twitch avec votre compte Prime. Amazon Prime. Du coup, vous obtenez Twitch Prime, qui est un truc qui vous donne des jeux gratuits et plein d'avantages. Des skins gratuits même des fois, ou des danses gratuites. Pour Fortnite et tout, et vous avez le droit aussi de vous abonner gratuitement une fois par mois à une chaîne, et le streamer reçoit quelques piécettes, parce que malheureusement l'abonnement ça paye pas énormément. OpenStart, t'as essayé de t'abonner à Amazon Prime et ça marche pas, ou à Twitch Prime avec ton compte Amazon Prime? Ah, il y a une astuce, hein. Il faut lier les deux comptes. Après, sinon, faut contacter le support. Et franchement, ils vont te le faire en 2-2. C'est Twitch Prime. Et il faut lier les deux comptes. Est-ce que tu as lié les deux comptes? Après, c'est peut-être parce que c'est pas la même adresse mail. Moi, je sais que les deux sont sur l'adresse adresse mail. Donc, lier. Non, pas lier. Ah, mais d'abord, il faut faire ça. Attendez, je vais vous donner le lien. Voilà. Associez votre compte Amazon Prime et Twitch Assistance. Donc, allez à Prime Gaming, vos comptes Twitch. Sélectionnez lien. Voilà. Vous n'avez aucun compte associé. Ça, c'est marrant. Oui, c'est parce qu'il faut se connecter. Faut que tu ailles là-dessus, c'est hyper simple. Et après, tu auras Twitch Prime.
Tu te connectes, alors avec quoi que tu te connectes? Tu te connectes avec ton compte Amazon Prime là-dessus. Et après, tu ajoutes ton compte Twitch. Mais d'abord, il faut se connecter avec ton compte Amazon, en haut. Et après, tu vas sur connecter un compte Twitch. Et tu auras les deux liés. Oui, c'est pas sur le site d'Amazon qu'on peut le faire. Et c'est pas sur le site de Twitch qu'on peut le faire. Faut aller sur une adresse un peu farfelue. Et comme ça, ben vous aurez des avantages et des jeux gratuits. Qu'est-ce qu'il y a comme jeu gratuit en ce moment d'ailleurs sur Twitch? On va regarder. Moi, j'y vais jamais voir là-dedans. J'ai pas le temps de jouer. Je sais même pas s'il y a encore des jeux gratuits. Loot cave boutique des produits dérivés. Mon Dieu, c'est nouveau ça. Chuchotement. Non, c'est pas ça. Alors c'est pareil, hein. Il va falloir trouver l'adresse pour les jeux gratuits. Après ils ont peut-être arrêté parce que c'est la crise, non? Prime Gaming, contenu jeu gratuit. On va regarder ça. Gaming.amazon.com. Ah ouais, ils ont tout changé, hein. Maintenant c'est un site séparé, hein. Je vous mets le lien pour avoir les jeux gratuits si vous avez Amazon Prime et que vous choisissez Twitch Prime. Mais pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est comme les jeux, avant il y avait un lien sur la page d'accueil. Donc des fois on peut avoir du contenu en jeu, c'est-à-dire que là par exemple je pense peut-être que... Pour ceux qui jouent à FIFA, vous aurez peut-être des contenus à confirmer. Pour l'instant, il n'y en a pas encore, mais c'est le genre de truc qu'on voit des fois. Là, il y a un skin pour Apex Legends. Il y a des trucs pour Fall Guys. Il n'y a rien pour Fortnite. Je vais regarder ça. Des fois, je regarde pas, mais il y a des trucs pour Fortnite, si ça se trouve. Peut-être on pourrait avoir un skin gratuit, ça serait dingue. On peut avoir Two Point Hospital. C'est trop marrant parce que c'est un vieux jeu qu'ils ont ressorti. C'est exactement le même principe. Et c'est un jeu que je jouais déjà avant, moi. Theme Hospital, ça s'appelait. Ouais, bah y'a rien pour Fortnite, hein, par contre. C'est un peu compliqué. On peut rechercher dans Prime Gaming. Nous, on veut du Fortnite. Comme ça, ils sauront que c'est recherché. Nous n'avons pas trouvé de résultat. Bon, en ce moment, il n'y a rien pour Fortnite. Allez, hop, hop. On est à combien, là? 229. Ouais, il y a déjà plein de streamers qui streament du FIFA au lieu de faire leur stream habituel. Du coup, ben... Comme j'aime pas FIFA, je les regarde pas et puis je m'ennuie. Je m'ennuie. Bon, en même temps, je m'ennuie, c'est vite fait. Cette nuit, je vais avoir des factures et des déclarations fiscales à faire. Donc, je vais pas vraiment m'ennuyer, mais... Des fois, je mettais ça en bruit de fond, quand même. Bon, bon, bon. D'ailleurs, j'espère que vous aviez le jeu là à l'instant, non? Vous aviez le jeu ou vous aviez pas le jeu? Est-ce que j'ai remis le bon écran? Oui, j'ai fait une bonne écran quand même. Fortnite 217, on va y arriver. C'est bonheur l'administratif, même si c'est nécessaire. Ouais. Ouais, on peut pas faire autrement quand on est indépendant. Autant quand on est salarié, je comprends pas qu'on nous demande encore de faire la déclaration d'impôt et ce genre de truc. M'a remarqué même pour moi, l'impôt sur le revenu, comme je le déclare à l'URSSAF, ils ont qu'à transmettre automatiquement aux impôts. Pourquoi je dois refaire le calcul tous les ans? Ça me... Mais là, à l'URSSAF, faut bien déclarer combien on gagne. Ils sont pas censés savoir qu'est-ce qu'on fait comme chiffre d'affaires. Hein. Si on le dit pas...
Mais bon, c'est comme ça. C'est stressant surtout. Moi, c'est pas que ça m'embête de le faire, c'est que ça me stresse. J'ai peur de faire des bêtises, moi. Oh. Alors, je recalcule 10 fois. Je fais 10 fois les mêmes calculs pour être sûr que je retombe 10 fois sur le même chiffre. Ah oui, mais oui, mais oui. Après, on peut payer un comptable, mais. Faut avoir confiance aussi à son comptable. Moi, j'ai déjà entendu des drôles d'histoires à propos de ça. Il y a des gens, ils se payent des comptables, puis le comptable, il fait pas ce qu'il faut. Puis après, c'est toi qui es responsable et pas ton comptable. Ça, je trouve ça un petit peu. Messenger. Alors, on va retourner voir ce dernier TikTok. Combien de vues? 2481 vues. Ça va à une vitesse. Non, j'ai pas activé la monétisation sur TikTok, mais sur TikTok, on a plus rapidement du monde et plus rapidement des vues, ça c'est sûr. Eh ouais, OpenStar, c'est mal fichu, hein. Moi, me connaissant, si je prends un comptable, je vérifierai ce que le comptable y fait et le travail serait fait 2 fois. Donc, pour le moment, comme je suis auto-entrepreneur, que c'est pas trop compliqué, je le fais moi-même. Moi, je fais pas confiance aux gens, alors. Ça devrait être le comptable responsable dans ces cas-là, ça permettrait au comptable de peut-être faire plus gaffe. Je dis pas qu'ils font pas bien leur travail, puis de toute façon c'est compliqué la comptabilité, mais. Ou 50-50 au moins. 50-50, ça pourrait être. Mais pas dire. Oh bah les comptables sont pas responsables. Non, bon. Cette pression de l'erreur, bah ouais. Non, je paye pas la TVA. Non, 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 pas encore. Oh, hey, non. Il y en a assez, hein. Oui, et puis alors, des fois, ils font évoluer les lois sans vous prévenir. Moi, heureusement, j'ai un abonné qui travaille pour les impôts. Il m'envoie des messages privés, puis il me dit, en fait, t'es au courant que maintenant, tu dois marquer ça sur ta facture? Ben non, je suis pas au courant. Sur les factures, maintenant, quand vous êtes indépendant, que vous êtes en entreprise individuelle ou auto-entrepreneur, vous devez marquer clairement sur la facture, avant ou après votre nom, prénom, entreprise individuelle. Ou alors l'abréviation EI. Donc moi, sur mes factures, j'ai dû rajouter, depuis le mois de mai, j'ai refait toutes mes factures en marquant entreprise individuelle devant, parce que c'est depuis le mois de mai, mais comme il m'a dit cet abonné, de toute façon, pour la première année, on ne met pas d'amende. Bah, tu viendras me voir, OpenStar, tu me parleras en mail, je te donnerai des conseils. Après, moi, je sais pas tout, parce que moi, je fais du service, et donc, je ne fais pas, j'ai pas de stock à gérer et tout, hein. Mais je connais un très bon site, OpenStar, si tu veux savoir dans quoi tu t'embarques. AE.fr. Très petit, hein. Auto-entrepreneur.fr. C'est le meilleur forum pour poser des questions. Bah, je facture quoi? Bah, dès qu'on reçoit de l'argent de n'importe quelle entreprise, il faut faire une facture. Tu peux pas avoir une somme d'argent qui atterrit sur ton compte sans qu'il y ait une facture. Donc, quand YouTube me paye, je fais une facture. Quand Amazon me paye, je fais une facture. Quand Igral me paye, je fais une facture. Quand les parfums Nox me payent, je fais une facture. Eux, c'est encore pire parce que je dois leur envoyer la facture, parce qu'ils veulent aussi la copie, parce que des fois, les entreprises, elles s'en foutent, mais normalement, une facture, tu es censé l'envoyer à l'entreprise.
Qu'est-ce que c'est toutes les factures que je fais? Il y a aussi Reward Style qui est un système d'affiliation pour tout ce qui est site Sephora, site de luxe, etc. Je leur fais les factures. Et si tu fais une facture pour un client qui se situe en Europe, tu dois faire en plus une déclaration européenne de service. Aux douanes. Et après, tous les 3 mois, je fais l'URSSAF. Bah si t'as un contrôle, vaut mieux avoir toutes tes factures à jour, hein. Comme ça, ils ont juste à regarder les factures, juste à regarder sur le compte en banque combien t'as eu, voir si ça... Hop. Ah si, ah oui, c'est la fête. Et encore, pour le moment, ça va, j'ai pas encore de TVA, moi, déclaré. Le moindre euro doit être déclaré, oui. D'ailleurs, une fois, j'ai eu un problème parce que Amazon m'a fait un virement d'un centime. Pour vérifier que les virements fonctionnaient bien, parce qu'ils avaient fait une mise à jour informatique. Ils m'ont viré un centime. J'ai dit, qu'est-ce que je fais de ça? Moi, je mets un centime sur la facture. Oui, il doit être déclaré, ça c'est une chose, parce que bon, beaucoup d'auto-entrepreneurs déclarent, mais ne font pas des factures. Mais après, il faut faire une facture à chaque fois que tu as un client. Après, ça dépend, hein, quand tu fais de la vente genre sur les marchés et tout, c'est pas pareil. Non, je n'ai pas encore eu de contrôle fiscal. De toute façon, le jour où j'ai un contrôle fiscal, vous allez me voir, je vais être décomposé, parce que moi qui suis stressé avec les démarches administratives... Déjà, je suis plutôt du genre à déclarer plus que ce que je dois déclarer. Je préfère payer 1% en plus et pas être embêté. Alors, le jour où... Enfin, après, quand on déclare tout, normalement, il n'y a rien à... Quand on est bloqueur professionnel, on n'a pas d'argent liquide. On peut pas... Il n'y a pas de triche. Il n'y a pas de triche possible. Moi, je déclare tous les virements. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais pas commencer à faire semblant de pas déclarer les virements, je sais pas, mais il y en a qui le font, non, je le fais pas. Ah, bah et ça, ça ressemble un peu plus à ce... J'ai vu il y a pas longtemps comment il fallait déclarer ça, justement. Open Star. Faut que je retrouve, par contre. Je crois que ça veut dire que tu seras libéral. Ça doit être ça. Considéré comme libéral. Et donc, du coup, t'as pas besoin de t'inscrire à la chambre des métiers ou à la chambre des commerces. Des fausses factures à des sociétés fictives? Non, mais Flo, on n'est pas riche à ce point-là pour commencer à faire des trucs comme ça, hein, tu sais. Tu sais, bon, ça ressemble beaucoup à ce que je fais à l'OpenStar. Par contre, oui, effectivement, la question, c'est est-ce que tu fais une facture par client? Là, je sais pas comment ça se passe. Le nom beauté en herbe n'est pas protégé pour deux raisons. La première, c'est que si vous êtes une personnalité connue comme genre Johnny Hallyday ou Lara Fabian, vous n'avez pas à déclarer votre nom. C'est... Voilà, on peut facilement être débouté au tribunal si on enregistre une marque qui correspond à une personnalité connue. Deuxièmement, beauté en herbe, c'est une citation, une expression de la langue française couramment utilisée. Et normalement, les citations couramment utilisées n'ont pas besoin d'être enregistrées à l'INPI. Sachant qu'il y a des personnes qui ont essayé d'enregistrer des marques à l'INPI qui correspondaient à des choses déjà existantes et déjà connues, et au tribunal, elles ont perdu. Bah ouais. Ah ouais. Il y a même des chaînes de télé qui m'envoient des mails. On fait un reportage, on aimerait bien filmer chez vous. Déjà, moi, tu me filmes chez moi? Non, mais les caméras ne viennent pas chez moi, non, mais c'est mort.
Après, je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui enregistrent leur nom, hein. C'est une sécurité, hein. Mais c'est de l'argent. Et il faut le refaire régulièrement. Bah, vous voudriez, vous, que la télé, elle débarque chez vous, comme ça? Moi, je sais pas, mais... Ouais, bah ça, je sais très bien que vous aimeriez bien, mais moi, j'ai pas envie de montrer mon quotidien. Ouais. Non, merci! Les gens de la télé, ils s'imaginent tous que quand tu es youtubeur, tu es quelqu'un qui fait des vlogs et qui montre ton quotidien. Non, pas toujours. Ce serait une bonne télé-réalité. Mais bien sûr, je regarde déjà pas moi-même la télé. Alors là, pour que la télé elle vienne, c'est pas. Bon, on est encore à 104, hein? Dis donc. Vous allez faire quoi manger ce soir? Ça, c'est une bonne question. Ça, j'ai récupéré mon micro-ondes. J'ai fait un TikTok sur la réparation de micro-ondes. Les gens, ils m'ont encore fait rire. Il y a des gens, ils sont comiques. Soupe au potimarron. Est-ce que vous avez vu la fameuse photo extraordinaire que j'ai faite pour YouTube? Je vous montre ça pour ceux qui ne me suivraient pas sur YouTube. Est-ce qu'il y en a vraiment? Je ne sais pas. Ça doit être dans vidéo montage. Ça. Oula, elle est grande la photo par contre. Elle est très grande cette photo, dis donc. Tu vas me réduire la taille, oui? Alors attention, question à votre avis, d'où provient cette photo? C'est une photo que j'ai mise sur YouTube. Moi j'avais envie de faire une pizza ce soir. C'est vrai que j'avais cette idée-là en tête. J'ai eu des mozzarella au lait de bufflone là, j'en ai déjà mangé deux, j'en ai une troisième à manger, c'est des dattes courtes. C'est trop bon. Et ouais, ça vient du jardin de chez mes parents. Parce que moi, je prends pas les photos de l'internet pour faire ma chaîne YouTube. Je fais mes propres photos. Ou alors, je prends des photos libres de droit, mais c'est bien rare. Ah, voilà. Et ça, bah, c'est moi qui ai pris la photo. J'ai pris plein d'autres photos, mais elles étaient moins belles. J'ai pris celle-là, j'ai mis un petit effet. Et voilà. Ça fait ambiance automnale. Eh ben avec l'ordinateur qui chauffe, ça fait 22 degrés. Hein. 22 degrés chez moi. Ça chauffe. Hein. Ah non, je sais pourquoi il fait 22 degrés. Ils avaient dit qu'ils rallumaient le chauffage aujourd'hui. Falloir que je vérifie que les radiateurs soient pas allumés, parce que là, 22, c'est beaucoup. Hein. Ouais, avec l'ordinateur qui chauffe, et puis la cuisine, le four, etc. Il n'y a pas besoin de chauffage plus que ça. Hein. Bah, ils s'occupent déjà du jardin de mes parents, mais là, vous savez, on va arriver en hiver, il n'y a plus grand-chose à faire. Hein. Macron, elle a dit 19, mais moi, j'ai rien touché, j'ai pas de thermostat chez moi, je peux pas régler la température. Donc. Moi, c'est le problème chez moi. Je vais aller voir vite fait si les radiateurs sont éteints. Faisons des économies. De toute façon, j'ai jamais mangé de burrata. Bon, j'arrive.
Boum! 49. Ah, merci Julie. Ah. Il y a un troll qui s'est fait virer, il va encore aller se plaindre sur Twitter. Je sais pas si t'as vu la semaine dernière, ils se sont plaints sur Twitter. Comment c'est possible de ne pas avoir de thermostat chez toi? Chauffage collectif. Bon, j'ai vérifié, tous mes radiateurs sont éteints, moi. Ils sont froids, donc c'est les voisins qui doivent chauffer. Je sais pas pourquoi. Il y a eu une dispute entre trolls. Non, mais ça va plus loin que ça. Il y a même des gens qui m'ont dénoncé des... Ils se dénoncent entre eux en message privé. C'est amusant. J'ai eu les coordonnées de certaines personnes en message privé. Ouais, lui, c'est lui et tout. Puis il y en a d'autres, ils disent lui, c'est lui. Alors, est-ce que c'est des vraies coordonnées? J'en sais rien. Ah non, je raconte pas ça, moi. Ça va faire trop plaisir à certaines personnes. On ne sait pas si ce sont des vraies coordonnées, mais sachez que les messages, je les ai enregistrés quand même. Ils sont dingues de faire ça, bah ils sentent le vent en tournée parce que j'ai porté plainte. J'ai même écrit au ministre de l'Intérieur. Parce qu'en ce moment, en plus, c'est revenu... Enfin, ils sont en train de reparler hein, du harcèlement en ligne. Macron, il a parlé de ça il n'y a pas longtemps, donc j'en ai profité, j'en ai remis une couche. C'est toujours bon de... Il s'est exprimé il y a un mois sur TikTok, Macron, et il me semble que j'ai vu... Et une semaine aussi, c'est encore exprimé. J'ai pas pu m'empêcher de leur tomber dessus, j'avoue. Si c'est ici, il devait rien avoir de grave. Ça sert à quoi d'écrire à un ministre? De lui communiquer une situation qui existe pour qu'il puisse être au courant de ces situations et qu'il puisse ajuster des lois en conséquence, par exemple? Bah, même si c'est les services du ministre, au bout d'un moment, si on est 50 à lui raconter la même chose, le ministre il sera au courant. Hein. En plus, il faut savoir une chose, c'est que moi, ceux qui m'embêtent sur Twitter ne m'embêtent pas que moi. J'ai même vu une liste. Il y a un gars, il en veut à tous les youtubeurs de la planète. Hein. Oh mon dieu, ça va vite. Oh, attendez, là, on papote. Sachez que tous les messages que vous envoyez au ministre ou au président de la République sont lus par un service et qu'effectivement, vous avez une réponse à chaque message que vous envoyez. C'est pas du flan. C'est pas genre... ils sont obligés. Hein ? On verra bien. Qui rira bien, rira le dernier. Rira bien qui rira le dernier. Dans le bon sens, c'est toujours mieux. Hein. D'ailleurs, on m'a dit qu'il y en a un qui était community manager et ça expliquerait pourquoi il peut passer ses journées à suivre les réseaux sociaux. Bon, je sais pas s'il a été condamné, Jérém Star. Moi, de toute façon, je suis pas ces personnes. Hein.
Il a obtenu la condamnation pour diffamation et injure de quelqu'un d'autre. Mais est-ce que lui, il a été condamné? Je n'ai pas vu ça, moi. Deux ans de prison, dont 18 mois avec sursis. Ouais, donc il a fait la prison en plus. Le gars qui a été condamné par Jerem Star. Bon, allez, on va jouer. On va parler de trucs plus joyeux. Faut que j'ajoute du monde. Alors, Tevenet, allez hop. Il y a Coco Lapin qui est là aussi. Max, hop, invité dans le groupe. Hop, c'est reparti. Bon, c'est long, hein, le Fortnite, là. Eh bien, je ne trouve pas ça quand je cherche sur Internet. Non, je veux pas quitter le jeu, par contre. Bonjour, Tevenet. Je sais pas si tu as un micro. Sinon, c'est pas grave. On attend Max. Et du coup, on va partir en trio. Zéro construction. Non, il n'y a pas de souci. Il faudra juste que tu mettes des curseurs. Y a pas de souci. Bon, par contre, Monsieur Max de Rock, toujours pas, hein. Il a bien été condamné, mais moi je trouve pas, donc bon. Allô. Salut Max, on part en trio. Alors je vais devoir régler le son, parce qu'à chaque fois qu'on redémarre le jeu, il faut régler le son. Et c'est parti. D'ailleurs, je me demande si j'ai la bonne scène, parce que là, la webcam, elle est pas au bon endroit, je pense. Il faudrait que je mette en mode studio, que j'aille dans ça. Et ça, c'est mieux quand même. Sinon, ça vous masque la moitié de mes points de vie. Ouais, bah le jeu, il bug. Eh ben, dis donc. Go. Les petits lags du début, hein. Quand je pense que certaines personnes ont réussi à atteindre la rive d'en face. Ok, on descend à Lustrius Lagoon. Il y a des bruits de croquettes, c'est normal. Non, c'est pas moi. C'est des bruits de chips déjà. C'est pas un bruit de croquette. Oui. Vous êtes pas expert en bruit. C'est moi. Bah
Bah nous ça va, on joue là. On a une nouvelle saison Fortnite, un peu spéciale. Moi j'ai hâte d'avoir les événements d'Halloween, tout ça. C'est dans un mois pile poil. Ouh, mais c'est que c'est loin ici. Bon, allez, plutôt que se faire des dégâts de chute là, on va se concentrer. Gain de niveau. Je l'ai déjà ce fusil qu'il a. Tu vas pas me dire que t'as déjà croisé du monde. Qu'est-ce donc que cette arme qui a été pinguée? Oh, une bleue. Ah bon? C'est qui a lancé les grenades? C'est qui a lancé les grenades? Ah, voilà. Y a personne là. Ouais, jamais personne nulle part. Hein. Il y a du monde un peu par là. C'est dans le temple peut-être qu'il y a du monde. Peut-être prendre de la potion quand même. Oh, on peut avoir 8 aspergeurs de chrome. Cool, il n'y a qu'un poisson dans la glacière. On peut avoir du bleu?
Ah, du bleu. Il est où, Max? Oh, Max, il est encore... Eh, faut sortir de ton trou. Il n'y a rien en plus dans ce trou-là. Je vais aller voir. Elle est indisponible, la moutarde. Même chez Leader Price, il n'y en a plus. Le bois flottant, j'avais pas découvert ce truc là. Bon, il est où lui? Ah voilà. Vous êtes dans le vaisseau? On n'a rien vu. Ça va, tout va bien. Bah ouais, je sais pas où vous êtes, j'arrive même pas à vous rejoindre. Oh, il y a un coffre au sous-sol. Il faut des clés. À mon avis, si t'arrives à ouvrir un coffre avec des clés... Si t'arrives à ouvrir... Bon. Il n'y a pas de clés. Vous avez deux clés, vous avez une clé chacun, c'est génial. Oula, c'est quoi ça ici? Il y a encore une clé? Pistolet mitrailleur à silencieux, oh, je sais pas si c'est bien ça. Moi une médibrume, ça me plairait bien. Quoique. Ah si, j'avais ça, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je vous cherchais depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça maintenant on va pouvoir ramasser et on a de la place. Bon, moi je prends la médibrume, après le reste. Vous avez pas forcé le coffre? Oh là là, il y a une aire jaune. Bon, bah. Je sais pas si t'as quelqu'un la aire jaune, mais elle est belle. Et il y a de l'or là. Bon, faut qu'on arrive à sortir d'ici maintenant. Merci pour les clés. Là, c'est le top 1 là. Bon, on va essayer d'aller au centre de la zone. Faudrait aller là en fait. Il y a le temple. Par contre, on peut pas être catapulté là-haut. Ah si, il y a un canon. Le problème, c'est que le canon, il va pas dans la bonne direction. Il y a peut-être un canon ailleurs, en fait. On peut le tourner le camion. Ok. Bon, c'est où qu'on doit aller là? Ok, vous êtes déjà au temple, vous. Bon. On est bien là. On est pas chète. Bon, je crois que je suis en train de faire ce qu'il faut pas. En tout cas, on va éviter de se prendre des déchets gratuits. On peut plus prendre les. Bonjour toi. On peut plus prendre des canons pour se télétransporter là? Il y a de l'eau en bas ou pas? Attention, pire truc de... Oula! J'ai envie de faire le saut de l'ange de fou, mais...
Ouais, mais enfin là, je vais descendre au niveau inférieur. Est-ce que vous pensez que si je saute de là, je vais mourir? Eh non! Bon allez, on va au temple. Parce que moi, je suis en retard là. Ah, je sais pas, vous êtes au temple, mais moi, j'y suis pas encore. J'ai essayé d'utiliser un canon, mais ça voulait pas. Bon. Mais viens ici. Il est où? Dis donc, il a peur, lui. Il est méchant, lui. J'essaye de prendre un cochon. Mais il veut pas. Voilà. Bon. On va pouvoir aller au temple maintenant ou ça se passe comment là? Il n'y a personne dans cette partie. Ne vous inquiétez pas, à la fin il va y avoir du mouvement. En même temps, on a atterri loin de la ligne. On est tous à fond au niveau du bleu. Ah, je croyais que c'était quelqu'un qu'un planeur. Bon, c'est où que ça tire? Là-haut? On va aller voir. Déjà, si on se met là-haut, on sera peut-être bien. Il y a quelqu'un là. Vu. Ah d'accord. Tiens, je t'ai mis une balle aussi, toi. Ah, il m'a eu. On se replie. Il nous a mis des têtes, le bougre. Bah, viens nous réa, parce que là... Enfin, sauf si t'es dans la sauce. Ah, t'es dans la sauce. Ah, top 5. Ah, comme à chaque fois qu'on croise personne, hein, on n'a pas le temps de s'entraîner à viser, et du coup, ben, d'un seul coup, ça nous tombe dessus. Hein. Oui, j'ai vu, 4 litres de citron, 36 euros, c'est trop cher. Bon, on relance tout de suite. Moi, je propose qu'on réduise la taille du kilo de sucre, parce que c'est trop sucré. Donc, les kilos de sucre ne feront plus un kilo. On est bien équipé, oui, on était bien équipé, mais comme on n'a croisé personne, bon, on n'a pas pu s'entraîner, hein. Enfin, on n'a pas, voilà, quoi. Quand même, il faut un minimum au début, hein. Il y a quelqu'un sur ta gauche, tu l'as même pas vu, là. D'ailleurs, pour la petite explication, là, pour ceux qui parlent sur le chat, je n'ai même pas mis de lien d'affiliation Amazon pour du Citror, parce que j'ai vu que c'était trop cher, mais il y a des influenceurs, je suis sûr, ils ne se seraient pas gênés. Moi, j'ai mis un lien vers le site de Citror. Bon, là, je choisis où on atterrit. Hein. Vous voulez une partie rapide ou pas? Oh là là, là ça serait trop bien là en fait.
carabine. Direction. Rocky. Chauffeur de bus. Ah, j'ai une petite alerte, il me reste 39 minutes. Bon, ça va. Il y a quelqu'un qui est en train de me piquer la place, là. Vite, il me faut une arme. Là, il n'y a pas d'arme. Oh là là! Le fail de l'atterrissage. Quoique, au moins, j'ai une arme. Parce que sur le toit, il y a un coffre, mais c'est pas sûr qu'il y ait une arme. Une clé. Une deuxième arme. Une AR. Impeccable. Ah bah ouais, mais lui il avait du bleu. Ah, genre tu vas me finir toi. Bon, il y en a un sur le toit du cinéma si vous voulez. Ah oui, je l'ai vu. Et ils sont deux. Il y en a un qui monte et il y en a un qui descend. Et moi je vais mourir. Au revoir les amis. Oh là là. Ouais. Oh là là, j'avais dit partie rapide. Hein. Ouais, ils sont peut-être entretués, il y en a peut-être plus qu'un sur les deux. Hein. Disons que j'ai foiré mon atterrissage surtout. Faites gaffe, il y a une voiture. Impeccable. Attention à la zone aussi, mais enfin ça va, elle est pas trop loin. The Venette qui... D'ailleurs je dis T-Venette, si ça se trouve c'est The Venette qui me réa. Attention, c'est reparti. En plus j'avais une AR quoi. Vous croyez qu'elle est encore au cinéma mon AR? On va aller voir. Ouais, elle est là. Bon, c'est reparti pour un tour. Qui t'a tiré dedans? T'as fait des dégâts de chute ou on t'a tiré dessus? Ah. Ah non, il y a quelqu'un ici. Ils sont cachés. Morte. Oh 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 oh, j'étais en mode chrome et j'ai monté sur sa tête. Mais du coup, t'es où toi? Ah, il faut Réa. On va retourner au bus de Réa. Il doit être... Est-ce qu'il est rechargé au moins? Ouah, le truc que je viens de faire. Ben, Life Portal, c'est entre deux... Pourquoi il veut pas rétablir lui, oh? C'est entre deux saisons Fortnite. Sauf que là, j'ai à peine fini la saison Fortnite que la suivante a démarré parce qu'il y a eu les vacances. Mais je pense que du coup, pour cette saison-là, quand j'ai atteint le niveau 100, après, on passera directement à Portal. Ok. Bonjour, toi, je sais pas. J'aime pas les pompes. Moi, j'ai une AR, ça me va très bien. Par contre, il faudrait peut-être qu'on avance vers la zone, là. Je vais essayer de mettre un point. Oh, oula, on va passer par Tilted.
Juste devant Tilted. Je sais pas ce qu'il y a là-haut. J'ai faim, eh ben mange. Il est l'heure. Qu'est-ce que c'est que ce cactus? Un joli cactus. Et c'est des figues de barbarie, ça? Je vais faire encore des bêtises. Eh ouais, voilà. La flemme de faire le tour. Il y a encore une zone bizarre ici. Où on a des... Ah ouais, l'arbre il est là. Tous les arbres comme ça, c'est bizarre. On veut tout ça. Bon, ça donne pas de bleu, ça donne pas de la vie en attendant. Je pique une potion. Ah bah prends-le. Ah. Bah non, moi j'ai du bleu, t'en as pas, donc prends-le. Par contre, on va aller en zone où j'ai mis un point quand même au bout d'un moment. Ne vous inquiétez pas, là-bas, on va trouver tout ce qu'il faut. Et sûr, t'as même plus de vie. J'ai plus de vie, bah si j'ai de la vie. Oui, mais ton... le shield. Ah non, oui, ça, le shield, mais là-bas, je compte bien trouver un grand shield d'un coup, là, un baril ou je sais pas quoi. Moi aussi ça m'agace là le mobilier là. Tu vas pas me dire qu'il y a personne dans Tilted quand même. La Tilted c'est bizarre qu'il y ait personne. Hein. Ah, en plus pour une fois qu'on a... Là, vu. Oh mais c'est une blague ça, oh. Hop là, je les ai bloqués les loups. Bah oui, ils sont au moins 4. Tu as été optimiste, toi. D'accord. D'accord, vu. Et il veut plus bouger, mon bonhomme. Il a été tétanisé sur place. Eh ben, oh là 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 là, j'ai même pas eu le temps de prendre la voiture. À partie rapide, je l'avais dit, hein. Sauf toi, au pire. Ah non, un peu le temps. Bon, on lance tout de suite, ça va être une meilleure partie, là, celle-là, je la sentais pas. Il s'observe, en étant tout joli de chrome. Let's go! ! Je pense que ça va être les dernières parties là, parce qu'après ça met une heure à redémarrer donc. Malheureusement, on jouera plus quand la saison sera moins jouée et qu'il y aura moins de monde sur les serveurs. Mmh.
Oh là, il y a un truc là en plein milieu. Genre, à tester. Pour la raison, je la rends fun. Hein. Chauffeur du bus. On a 3 points. Vous voyez, monsieur Botternerbe arrive. Ah, c'est une tempête ce truc. Bonjour monsieur Porthos. On m'a encore dit sur TikTok on ne voit jamais, ben pourtant toutes les semaines vous voyez en ce moment. 8h. Comment? 20h. 20h, oui, ben je sais, je leur ai dit dans 20 minutes. De toute façon, moi au soir j'ai mes factures à faire et tout, donc je peux pas jouer plus longtemps. Oui, oui, il faut terminer. Bon, et puis on peut commencer à faire quelque chose de sa vie là. Oh! Je pensais qu'il y aurait du monde ici. J'ai l'impression que les gens, ils aiment pas trop atterrir où il y a du chrome. Hein. Là-bas. Qu'est-ce donc que ce bruit étrange? Ah, mais il y a la bosse ici, d'accord, c'est ça que vous essayez de faire? Ah, il faut tuer les. Faut tuer les loups là. Ah oui, elle fait mal la bosse là. Allez, il a l'armée des loups. T'es où toi? Je te vois même pas, t'es descendu là. Attends, je vais très haut. Réanimation en mode chrome. Viens toi, tu vas nous aider à tuer la boss. Non, tuez pas le loup. On y retourne, tant qu'on y est. Ça donnera des points. Merci. Par contre, je sais pas si vous avez du soin. Où est-elle? On l'entend, on la voit même pas. Elle est à l'étage du dessus. Comment on fait pour monter? Oh oh. Ah, faut atterrir ou alors là-haut, non? Ah, il y a peut-être moyen. Attention. Aspergeur de chrome. Ah, la voilà.
Ça c'est bien joué ça. Sachez que tant qu'il y a des loups, la boss elle peut pas vous tuer. Hein. Elle est dans sa bulle. Allez, plus grand chose à la boss. Voilà, bravo. Qui veut l'arme de la boss? Moi je la veux, mais enfin, personne la veut. Non, mais moi déjà j'utilise pas ça, c'est bon. C'est encore un truc à catastrophe, ça. Je vais encore viser à côté, je vais perdre toutes les balles, ça sert à rien pour moi. Bon, par contre, ça a pas validé une quête hein, de tuer la boss là-haut. On est en hauteur ici, hein, faut pas avoir le vertige. Hein. Waouh, les constructions elles vont de plus en plus haut en fait. Comment on fait pour aller là-haut? Moi j'en ai des clés. Hein. J'ai un fusil à pompe Evochrome, j'ai aucune balle. Oh. Il va bientôt évoluer en plus. Bon. On se perd vite hein, dans ce labyrinthe. Ouais. Les traditionnels dégâts de chute. Tous chromés. Et y a encore personne dans cette partie. À travers le mur. C'est une bonne idée, en plus c'est impossible d'y aller. Ben je sais pas, j'arrive pas à y aller. J'arrive pas à y aller dedans. Normalement si on est en chrome. Dommage. Non. Non, c'est mort. Bon, ben, y a des aspergeurs de chrome quand même. Bon, faut que j'arrête là, hein, d'asperger du chrome au lieu de... C'est qui a la voiture là? C'est pas quelqu'un d'entre nous qui a la voiture. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, hein. Oula, il y a du monde hein. Là. Ça arrive.
Ah bah on sait où ils sont maintenant les gens. Ils sont à la station essence là-bas. De toute façon faut qu'on avance. Hein. Il y a la zone. Bon moi j'ai pas des très belles armes là, j'avoue que j'ai pas loot ce qu'il fallait. Oula. Vous êtes pas loin parce que là... là si je commence les hostilités, croyez-moi, vu le monde qu'il y a, ça va faire mal. Hein. Par exemple là, voilà. Et hop là, hop là. Pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Non, Max, il est mort. Mais comment t'es mort? Il y a encore des gens là? Ah ouais. Oh non, mais j'aurais bien aimé avoir de la grenade, moi, par exemple. Le bec, lui, il a rien vu. Faites gaffe, il y a peut-être encore du monde. Hein. Ouais, il y a encore quelqu'un là. Derrière toi. J'ai mis un point rouge, il y a quelqu'un là. Bon après tu peux aussi prendre des cartes et te barrer, hein. Ça marche. Hein. On avait des couronnes, non? Par contre eux ils avaient des couronnes visiblement. T'aurais pu prendre une couronne au passage. De toute façon ils y sont plus alors. Ils mangent comme d'habitude je pense. Bah oui, dimanche. La vidéo elle est déjà en ligne. Il me reste quelques trucs à configurer, mais c'est déjà copié. Je crois. Oui, non, si, c'est le maquillage que j'ai mis en ligne. J'ai fait un TikTok et les gens m'ont dit il est trop beau le maquillage. Bah ça tombe bien, je l'ai filmé. Ah, il y a des. Ah non, c'est encore beau. Ouais. Laissez-nous des trucs. Ah bah, un baril. Tiens, bah là, il y a un. Voilà. Eh bah, on était vraiment à sec, nous. Il veut plus escalader, hein. Ouais, il est fatigué. Ouais, ben moi c'est la fête des niveaux aujourd'hui, hein. Bon, moi j'ai que des pistolets. Je sais pas si je vais aller loin avec que des pistolets, mais. Niveau 48, un truc comme ça, je suis niveau 56. Ouais, ouais, tu montes vite, je sais pas pourquoi, parce que nous on monte pas aussi vite que ça, mais c'est pas grave. On va en zone. Je sais pas comment je fais moi. Oh là là, ah vous allez aller en zone parce que là je sais pas si vous... Oh là là, il y a du monde encore à la station essence là-bas. Et là-bas, il y a du monde. Moi j'ai que des pistolets. Ça va, j'ai trouvé des armes sur le chemin. Bon, à la station essence, il y a du monde. Là. Moi je voulais faire péter la station surtout. Ah non, mais il faut qu'on aille en zone, hein. Demi-tour, hein. La zone, elle arrive et elle doit être méchante, celle-là. Elle doit être méchante, cette zone. Empêche-moi ! Ah ! Y a la zone, y a la zone. Oui, je viens de le dire qu'il y avait la zone. C'est pas la zone du début, là. Hein. C'est une des dernières zones. Vous avez vu la taille du cercle autour de Rocky, là ? Il n'y a plus beaucoup de monde, là. Ok. Ah, 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 ah. Banana, banana. Banana par terre, attention, il y a quelqu'un sur le toit là-bas. C'est bien ça. Dépenser des lingots, tiens, j'ai fait dépenser tes lingots. Là sur le toit, c'est un bot ou c'est pas un bot? C'est pas un bot, je pense pas. Hein. Oh là là, la zone, on n'est pas en zone.
paillot. Mort. Faites gaffe à la zone, elle fait mal. Hein. Y en a un qui m'en veut parce que je l'ai. Ah. Oh là là. Il y en a un qui m'en veut parce que je l'ai presque tué en fait. Ah ah. Toujours plus. Oh mais attends, ça tire de où là? Ok. Là-haut, il y a un monsieur. Il m'a semblé avoir vu une AR dans tout ce bordel là. Bon, j'ai dû avoir la berlue si elle est là. Ouais, c'est parti, moi j'ai des bonnes armes là. Ah, j'ai que 3 balles, par contre. 3 balles, ça va pas le faire. On est 5, hein, alors on se concentre parce que... Ils sont 2, et ils sont pas de la même... Ouais, bah si ça tire, c'est qu'ils sont pas de la même équipe. En plus, il reste que 2 personnes. 2 contre 3, ça donne... Surtout s'ils sont pas de la même équipe. Bah, allez, on avance, hein. Je sais pas, c'est... Nos vies sont assez bien, non? Ah, ils sont là, ils sont là. Ah, ils sont là-haut. J'arrive, mais il veut pas bouger. Non. Oh là 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 là. Bon bah c'est mort là. Non mais, 2 contre 1, vous êtes marrant vous. Allez hop, je me casse, moi je joue la zone. Hein. Ah j'ai pas eu le temps. 2 contre 1 là, fallait qu'on y aille à 3 là. Ah bah on a fait top 2, ils étaient forts alors, faut croire. Hein. Il devait plus avoir beaucoup de vie mais... Moi, je quitte parce que je suis plein d'étoiles. Ah, tu vas au salon, tu quittes pas. Il y a peut-être moyen d'en refaire une dernière. Quoique, je suis pas sûr, hein. Il me reste 12 minutes. Est-ce que je lance pour 12 minutes? Bon. Bah, ça va faire une partie que je ferai pas en entier, hein. Je pense. Bon, on va aller voir un peu le pass de combat. Et je pense que ça va être la dernière partie parce que de toute façon, 12 minutes, ça sert à rien. On a 42 étoiles à dépenser. Je crois même que je pars à la page complète là, non? Ah, on n'a pas fait des tops nuls, hein, mais on a fait un top 1, ça c'est déjà bien. 20 étoiles encore. Je vais pas encore avoir toute la page, hein. Bon. Ma foi, j'ai ce skin. Qui le trouve beau? Peut-être pour Halloween, ça serait pas mal. Mais je sais pas. Je sais pas s'il est beau, ce skin. Nickel. Fusio, il s'appelle. Avec des dreads. Fusio. Moi, je l'ai. Ouais, mais est-ce qu'il est beau? Ouais, ça sera bien pour Halloween, ça. Ça sera drôle. Bon, ouais. Sur ce, merci pour les parties. On refait ça bientôt, je sais pas quand, parce que... Il y a toujours des imprévus dans ma vie, c'est spécial. Mais peut-être ce week-end, je vais pouvoir enfin jouer. Enfin, je sais pas quand. Si, peut-être demain après-midi. Bon, on se tient au courant. J'ai le numéro de téléphone, au pire. De toute façon, demain après-midi, je crois que je serai là, moi, de toute façon. Ouais, bah, vu les niveaux que t'as passé, à mon avis, t'es tout le temps connecté, donc ça, c'est bien sûr. Bon, et bah, moi, je quitte la conversation avant d'être coupé automatiquement de façon brutale. Et puis, on se retrouve sur le chat, au pire, sur le live. Ouais. On va fermer ça. Et il est l'heure de se dire au revoir, car oui, c'est un live de 17 à 20 heures que je fais...
tous les vendredis, c'est pas 17-21h, c'est 17-20h, messieurs, dames. Oui, Jeannette Po, demain, peut-être, après-midi. Il est fortement probable, parce que moi, j'ai tout fait pour avoir fini mon travail cette nuit. Donc, normalement, cette nuit, j'ai plus de boulot. Et demain, je vais pouvoir jouer après-midi. Et dimanche, soir. Mais après, je sais pas à quelle heure vous connectez, parce que moi, je suis noctambule, mais tout le monde ne l'est pas. Sinon, il y a des TikTok qui ont été publiés. Voilà. Je vous mets un lien vers mon TikTok, parce que je sais même pas s'il y a une commande TikTok ici, en fait. Je crois qu'il n'y a pas de commande TikTok. S'il n'y a pas de devoir à faire demain ou de dossier à rendre de dernière minute, remarquez, je dis ça, mais normalement j'ai un dossier à rendre pour la banque. Enfin, je pense pas que je vais le faire demain. Si j'ai le temps, sinon je fais ça cette nuit, hein. J'ai des papiers de banque à faire. Bref, et demain peut-être que je serai là, mais bon, j'espère pouvoir dégager du temps. En tout cas, j'ai fait des TikTok récemment. Plein de TikTok. On m'a même demandé des nouvelles de Porthos alors que j'ai fait un TikTok où, dans lequel on voit Porthos. Bref. Également, donc pour vous dire qu'il y aura des vidéos donc de prévues. Notamment, il y a eu une vidéo qui a été publiée ce matin, c'est mes découvertes favoris et déceptions. Et dimanche, il y aura une vidéo. Donc, ça va être un tutoriel maquillage. Si vous voulez voir le rendu du maquillage, c'est dans ce TikTok là. Parce qu'on m'a laissé. On m'a laissé plein de commentaires pour me dire que le maquillage était magnifique sous ce TikTok. Maintenant je sens que sur YouTube ils vont dire c'est trop laid, tu sais pas te maquiller. Alors que bon, il faut accorder vos violons quand même. Bref, voilà, en tout cas, ça c'est la vidéo de dimanche. Et je vous ferai peut-être une vidéo sur ce que je mets dans mes cheveux pour avoir des genres de reflets métalliques parce que je pense que tout le monde n'a pas capté. Voilà pour le programme des vidéos à venir. Est-ce qu'il y a quelqu'un à raid? Rizzo n'est pas en ligne. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là. Moi, je vous remercie pour votre présence. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, vendredi, de 17 à 20h. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Et puis, je vous dis à bientôt. Et merci, Julie, pour ta présence.